أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد الشافي من جميع الأمراض، والدافع لجميع الأعراض، والقاضي لجميع الأغراض، وعلى آله وصحبه وسلم. Bienvenue à vous toutes et tous pour cette 11e rencontre spirituelle du Ramadan organisée par l'Union des mosquées de France. Donc, comme chaque soir du Ramadan, eh bien, nous nous retrouvons à 21h50 avec nos différents intervenants. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Dr Tariq Abounour, qui est théologien, docteur en sciences des religions, président de l'IESP, Institut d'enseignement supérieur islamique de Paris. Le docteur Tariq Abounour, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages. La semaine dernière, on avait notamment cité Ibn Ashir, l'essentiel de la religion, mais on pourrait également citer l'imam Malik, le savant de Médine, aux éditions Al-Buraq, ou encore comprendre la finance islamique, principes, pratiques et éthiques, aux éditions Les Quatre Sources, puisque le docteur Tariq Abounour est un spécialiste de la finance islamique. Cheikh Tariq Abounour, salam alaykoum wa rahmatullah. Soyez le bienvenu. Merci pour votre présence parmi nous. Merci à vous pour l'aimable invitation. Alhamdulillah, salatu salam ala moulana rasulillah, alayhi sabihi wa ala. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est ton cœur, tu purifieras. Wa qalbaka fatahhir. Et tout d'abord, effectivement, pendant ce mois béni du Ramadan, l'école de la patience, l'école du jeûne, notamment, les questions parfois de forme, c'est-à-dire de ibadat physique, mais beaucoup d'entre nous négligent ce fondement essentiel, cette épine dorsale qui est notre cœur. Alors tout d'abord, j'aimerais revenir sur justement ce qui fait l'importance de cet organe subtil qui est le cœur. يقول عز القائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucun secours si ce n'est celui qui vient à Allah تبارك وتعالى avec un cœur sain. قلب سليم. Et dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous donne encore d'autres fonctions de ce cœur pour justement le valoriser, le mettre en avant. Allah tabaraka wa ta'ala dit بعد أن دلهم شيطان رجيم أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. قلوب يعقلون بها. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala donne au cœur une fonction qui va vous paraître un peu extraordinaire, qui est l'intelligence. Ou adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal abasar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Ce ne sont pas les yeux qui sont atteints de cécité, mais c'est bien les cœurs qui sont dans les poitrines qui peuvent s'aveugler. Dans un autre verset également, Allah tabaraka wa ta'ala nous cite le récit de quelques communautés avant nous qui ont été dans la dureté, dans la déviance. ثم قصص قلوبهم من بعد ذلك فيك الحجارة أو شد قسوة. Et puis leurs cœurs se sont endurcis au point d'être plus durs que la pierre. Toujours dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala fait du cœur le réceptacle de la foi. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. En parlant de ces bédouins qui ont prétendu être croyants, Allah tabaraka wa ta'ala leur dit vous êtes simplement soumis et la foi n'a pas encore pénétré dans votre cœur. De ces quelques versets, je ne vais pas citer plus vu le temps imparti, de ces quelques versets, on a justement une vue globale de l'importance du cœur déjà dans le Coran. Allah lui donne plusieurs fonctions. Il y a quelques grands savants de l'islam, quelques exégèses, qui ont fait, entre guillemets, la liste exhaustive de ces fonctions. Vous pouvez regarder entre autres Kitab al-Farq de l'Hakim Tirmidhi,
qui a été traduit en français, et le cœur intelligent de Hujjat al-Islam, la preuve de l'islam, Abu Hamid al-Ghazali, qui est aussi traduit en français. Dans ces différents ouvrages de notre patrimoine précieux mais méconnu malheureusement, eh bien, il est question de ce qu'on appelle les spécificités positives du cœur et les spécificités négatives du cœur. Première spécificité positive, c'est qu'on parle d'un cœur grand, d'un cœur ouvert qui va de l'avant, hein, le munfasih, le munsharih, sharaha, sharaha Allahu sadrahu. Et attention, dans l'anatomie spirituelle du cœur, il y a, c'est pour ça qu'on parle de cercle, il y a sadr, la poitrine, il y a le cœur, le qalb. La sémantique même du mot qalb, cœur, vient de taqallub, c'est-à-dire il change beaucoup. Hein. Conformément à la parole d'Allah, وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Donc, et dans le dua, Allah, مَيَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ تَبِّتْ قُلُوبًا عَلَى طَاعَتِكَ. Oh, celui qui change les cœurs, enracine nos cœurs sur ton obéissance et ta piété. Et donc, je disais, c'est dans cette anatomie spirituelle du cœur, il y a effectivement plusieurs niveaux. Il y a le niveau sadr, poitrine, il y a le niveau qalb, cœur, il y a le niveau fouad, et puis il y a le niveau lub, l'albab. Et c'est ce dernier niveau, ce petit point, entre guillemets, qu'on ne voit pas évidemment, parce qu'il ne s'agit pas d'une anatomie physique, que se situent les secrets des secrets. Que même les anges d'Allah tabaraka wa ta'ala ne peuvent pas atteindre. C'est là où se situe l'ikhlas, la sincérité, entre autres, cette pureté d'intention. On nous parle après du cœur clairvoyant, Mubsir, du cœur qui frémit à l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, le dina idha dhukirallah wajilat qulubuhum, wajal. On parle après du cœur doux, layyin. On parle d'un cœur apaisé par l'évocation d'Allah, le dina amanu wa tatma'innu قلوبهم لذكر الله على بذكر الله يطمئن القلوب et le cœur aride et épuré de toute attache ajrad قلب الأجرد. Toujours dans ces spécificités positives, on parle du cœur lumineux, florissant, munir, muzhir, et puis du cœur glissant, mazlaq, pour les univers qui ne laissent rien habiter en son sein en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. À côté de ces spécificités positives, on peut parler de spécificités négatives du cœur de ceux que Allah tabaraka wa ta'ala a scellés, des hypocrites, des négateurs. On parle de cœur étroit, obscurci, verrouillé, dépourvu de méditation. Dayyqan harijan. Yaj'al sadrahu dayyqan harijan ka'annama yas'adu fi as-sama'. Ça, c'est parmi les miracles scientifiques du Coran. Il décrit leur cœur, il compare leur cœur à quelqu'un qui essaie de respirer dans les hautes sphères du ciel. Il est complètement, entre guillemets, verrouillé, dépourvu de méditation. Ensuite, on nous parle de cœur aveugle, qui ne raisonne pas, qui ne comprend pas, comme on avait vu dans le verset au début. On parle aussi du cœur rétractaire, quant à l'évocation de Dieu, sombrant dans l'inadvertance, le rafla, l'insouciance, du cœur dur, épais, ghalid. Wa law kunta faddan ghalid al-qalb lan faddu min hawlik, nous dit le Coran. Si tu étais un rustre au cœur dur, il se serait éloigné, loin de toi. Le cœur tourmenté, jazir, le cœur souillé par le mal, qui est voilé petit à petit de son Seigneur, de la vérité. Le cœur obscurci et fané, motlim, le cœur habité par les idoles, et qui absorbe les attaches du monde sensible, c'est-à-dire il est ivre de ce bas monde. Voilà dans le patrimoine, dans notre patrimoine spirituel, quelques éléments pour ouvrir l'appétit. Mais moi, ce que je veux aujourd'hui passer comme message, c'est que ce cœur, comme vous l'avez vu dans le Coran, il a plusieurs fonctions. Quel est le but pour toi, aux croyants, aux croyantes, dans ce bas monde? Et comment justement tu peux arriver à ce cœur purifié? Tout d'abord, pour pouvoir comprendre ce que tu dois faire, tu dois être conscient et consciente de l'importance de cet organe subtil qui est le cœur.
Pour cela, pour te convaincre, je vais citer deux hadiths, deux traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont rigoureusement authentiques. La première, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ala wa inna fil jasadi mudratan idha salahat salah al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasad al jasadu kulluhu ala wa yalqan » Et il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps devient sain. Et s'il est corrompu, tout le corps devient corrompu. Il s'agit du cœur. On comprend de ce hadith authentique que le cœur est le roi des membres. S'il est guidé, s'il est illuminé par la foi, par la guidance d'Allah tabaraka wa ta'ala, il donne le signal, il donne les messages positifs à tout le corps pour agir conformément à cette foi, conformément à cette lumière, conformément à cette guidance. C'est dans ce sens que Cheikh Bousri al-Qadi a dit dans sa Amziya, إِذَا حَلَّتِ الْهِدَايَةُ قَلْبًا نَشِطَتْ بِالْعِبَادَةِ الْعَدَى. Quand la hidayah, la guidance atteint le cœur, eh bien, le cœur envoie justement les messages à tout le corps, puisqu'il est le pilote, puisqu'il est le roi des membres, pour que tout le corps soit dans le service pour Allah tabaraka wa ta'ala, dans l'adoration pour Allah tabaraka wa ta'ala, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très important. Le deuxième hadith, mes chers frères, mes chères sœurs, que je veux mettre en avant dans ces brefs instants, c'est le hadith rapporté par Muslim dans son authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila shkalikum wa la kin yanzuru ila qulubikum wa fi riwaya ila qulubikum wa a'malikum » Allah ne regarde ni vos formes, ni vos aspects physiques extérieurs, mais il regarde vos cœurs. Et dans une version, vos cœurs et vos actions. Ainsi, en plus d'être le roi des membres, le réceptacle de la foi, le cœur est aussi, ici, le lieu du regard divin. Ça, c'est très important. Le lieu du regard divin. Alors, imagine avec moi, mon cher frère, ma chère sœur, si je te dis qu'un roi, qu'une personnalité très importante, un ministre, je sais pas, quelqu'un qui a une grande importance pour toi, je te dis qu'il va visiter ta maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas embellir ta maison, tu vas la rendre la plus propre possible, la plus parfumée possible, la plus belle possible, pour accueillir dignement cet invité de marque. Et si je te dis que le lieu du regard divin, c'est ton cœur, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, si tu es intelligent, tu dois justement faire en sorte de purifier ce cœur. Purifier ce cœur. Alors, purifier ce cœur de quoi? On a parlé des différentes fonctions que le Coran a données au cœur. Une fonction essentielle que le Coran a mis en avant, c'est cette fonction du cœur intelligent, c'est-à-dire de la liaison entre le cœur et l'intelligence. J'ai développé ça dans ma thèse autour du cœur intelligent, qu'on ne peut pas vraiment adorer Allah tabaraka wa ta'ala avec clairvoyance si on ne fait pas de lien organique entre ça et ça, entre le cœur et l'intellect. Parce que autrement, notre intelligence sera une preuve contre nous. Notre savoir sera une preuve contre nous. La science, ça peut être simplement un ensemble de données, mais quand cette science atteint le cœur et implique comme fruit la crainte, l'ikhshya, là, on est dans la science utile. On est dans le verset d'Allah tabaraka wa ta'ala où il nous dit « Innama yakhsha Allaha min ibadihi l'ulama » Ceux qui craignent vraiment Allah, ce sont les savants. Donc, c'est de ce savoir dont on parle, c'est-à-dire ce savoir qui finalement atteint le cœur et donne des fruits sur ton comportement et fait en sorte que tu agisses conformément à ce que tu sais. Mais si le cœur n'est pas connecté, si l'intellect n'est pas connecté au cœur et le cœur n'est pas connecté à l'intellect, il y a une rupture, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu peux être malheureusement le plus mauvais des êtres parce que justement,
ta science ne te sera d'aucune utilité au point même qu'elle sera une preuve contre toi. C'est pour ça que on distingue le savant et le savant spirituel. L'écrasante majorité de nos pieux prédécesseurs qui ont transcendé le temps et l'espace par leur ouvrage, par leur éthique, par leur moralité, eh bien, ils étaient des savants spirituels. Je dirais vraiment que c'était une condition sine qua non dans la sphère du savoir religieux. Je peux citer Del Junayd, Ma'ruf al-Karhi, en passant par l'Is ibn al-Salam, Imam Sayyuti, Jalaluddin Sayyuti, Ibn al-Muqtirin, Imam Nawawi, l'imam Sheikh al-Islam Abu Zakaria al-Ansari, l'imam Qadi Iyad, l'imam Sheikh Zarruq, Abu Hamid al-Ghazali, Hujjat al-Islam, et j'en passe, et j'en passe. Tous ces savants-là qui nous ont laissé des ouvrages qu'on est en train d'étudier même aujourd'hui, et traduits dans plusieurs langues, étudiés dans plusieurs thèses de doctorat, tous ces gens-là, c'est parce qu'ils ont nourri leur cœur avant leur intellect. Et qu'il y a eu cette connexion, cette intelligence spirituelle, cette connexion entre l'intellect, l'aql, la raison, et le cœur. Au point qu'on a eu une raison illuminée, aql al-musaddad, une raison soutenue, et non pas simplement une intelligence qui ne sert qu'à détruire et qu'à aller dans le sens des passions sataniques et des désirs bestiaux. Donc je disais, c'est très important d'avoir cette connexion et donc d'avoir cette purification de ce cœur, de cet organe subtil qui est, comme je l'ai dit, le réceptacle de la foi, le roi des membres et le lieu du regard divin, le purifier de ces maladies. Alors, on me pose souvent la question, mais on entend quoi par maladie ? Parce que les maladies qu'on connaît, hein, les gens connaissent les maladies extérieures, hein, une fièvre, une grippe, le coronavirus, voilà, ils connaissent les maladies extérieures. Et ils estiment que ces maladies-là sont graves, impactantes, etc. Mais on oublie qu'on a aussi des maladies intérieures. Je fais ici la différence entre la psychologie et la spiritualité. Là, je ne suis pas psychologue, je ne vous parle pas de psychologie, je vous parle de spiritualité coranique et de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran nous cite ces maladies intérieures. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Wa dharu zahir al-ithmi wa batinahu » et délaissez le péché extérieur ainsi que le péché intérieur. Et dans un autre verset, « Qul innama harrama rabbi al-fawahisha » Il les a appelés fawahish, calamité, grand péché. Ma zahara minha wa ma batan. Allah a interdit les calamités, les grands péchés, les péchés capitaux, tant extérieurs qu'intérieurs. Ma zahara minha wa ma batan. Donc, par ces versets clairs du Coran, nous voyons ici, de façon irréfutable, qu'il existe bien des péchés intérieurs. Le hadith, la tradition de Sayyidina Muhammad Slama, elle explique le Coran, n'est-ce pas? Et donc, dans cette tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Muhammad Slama, l'éducateur, le dernier messager, nous donne des exemples de ces maladies intérieures. Il nous parle d'ostentation. Il l'appelle shirk al-khafi, la petite association, qui rend vain les actes. Il y a plusieurs hadiths qui nous parlent des méfaits de cette ostentation. L'ostentation qui est définie comme le fait de faire l'acte pour plaire à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, se faire voir auprès des autres, en oubliant Allah tabaraka wa ta'ala, en oubliant que c'est à Allah tabaraka wa ta'ala qu'on doit adresser nos actes. C'est le contraire de la pureté de l'intention. On parle aussi de haine, de rancune, de rancœur. Il suffit de vous citer ici le fameux hadith de l'Akhawal Mutasariman, à qui Allah tabaraka wa ta'ala dit à ses anges, laissez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient, c'est-à-dire il absout les serviteurs, sauf les deux personnes qui ont une rancune, une haine contre eux. Il dit à ses anges, laissez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. On peut parler de l'envie, de la jalousie. Hein? Cette envie
dévore les hasanats, les bonnes actions. Vous voyez, il a utilisé dévorer, un mot très dur quand même. Dévore les hasanats, les bonnes actions, comme le feu dévore le bois sec. Vous voyez, on nous parle de ces maladies intérieures comme étant des entraves, des voiles qui vous empêchent de cheminer vers Allah tabaraka wa ta'ala et qui empêchent l'acte d'être agréé. Parce que si votre but, en agissant en bien, c'est que Allah accepte votre œuvre, n'est-ce pas? Mais si cet acte-là se trouve refusé par Allah tabaraka wa ta'ala, yadu billah, ça ne sert à rien. Qadimna ila ma amilu min amani faja'alnahu aba'an mantura. Donc, pour que cet acte ne soit pas refusé, pour que vous n'agissez pas en vain, pour que vous ne fassiez pas cet effort qui sera rejeté par Allah tabaraka wa ta'ala wa liyadu billah, comme dans le hadith où Allah tabaraka wa ta'ala reçoit dans son jugement quelqu'un qui est venu avec l'ilm, avec la science, un autre qui est venu avec la générosité, la richesse et la générosité, et un autre qui est venu avec le martyr, il les renvoie, il les rejette. Pourquoi? Parce qu'il leur dit qu'il faisait ça pour se faire voir, pour les autres, pas pour Allah tabaraka wa ta'ala. Il leur dit, allez-y chez ceux vers qui vous vous êtes fait voir et cherchez chez eux votre rétribution. C'est très grave. Donc, on n'aimerait pas être parmi ces gens qui verront les actes de bien comme des montagnes réduits à néant. Donc, c'est pour ça que nos maîtres spirituels ont mis l'accent sur cette éducation spirituelle pour purifier le cœur de ces maladies intérieures qui sont les voiles, l'entrave dans le chemin et qui empêchent l'agrément de l'acte et qui, petit à petit, quand ils s'accumulent, quand il n'y a pas de repentir, quand on ne fait pas attention à ces maladies intérieures, ils voilent tellement le cœur que le cœur s'endurcit, s'aveugle et puis meurt. La mort du cœur. Il n'y a pas que la mort physique, il y a aussi la mort du cœur. Le remède, très simplement, il y en a deux. Le croyant, il a deux ailes pour arriver à son Seigneur, pour arriver à l'amour dont on a parlé la dernière fois, qui est le diadème des œuvres et la monture des esprits. Le premier, c'est le dhikr, l'invocation abondante d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puisque justement, c'est la vie du cœur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique rapporté par Abu Musa al-Ash'ari, où Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي الميت. L'exemple de celui qui invoque Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui n'invoque pas Allah tabaraka wa ta'ala, c'est l'exemple du vivant et du mort. Donc choisis ton camp. À toi de voir, tu es libre. Si tu veux purifier ton cœur de ces maladies intérieures, élever ton âme d'une âme instigatrice du mal vers une âme qui blâme, vers une âme pacifiée, mutma'inna, qui ne soit plus l'allié de Satan pour souiller le cœur, mais qui soit justement orienté vers l'esprit, vers la lumière, parce qu'elle est pacifiée, domptée, eh bien, il faut invoquer Allah pour se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour illuminer ton cœur, pour chasser les ténèbres de ton cœur, pour chasser les insufflations de l'âme charnelle et de Satan, qui te pousse vers ces sentiments négatifs, vers cette haine, vers cet instinct de vengeance. C'est ça. Donc, plus tu invoques, plus tu chasses les ténèbres et les insufflations louswes. L'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala a été citée plus de 80 fois dans le Coran. Ses bienfaits sont innombrables. Par exemple, le Qayyim Jawziya, dans son ouvrage Al-Wabil al-Sayyib fil Kalim al-Tayyib, qui a été traduit, nous cite plus de 100 bienfaits de l'invocation d'Allah par la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, khairu ma qultuhu, ana wa nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. Évidemment, le deuxième pilier de la purification du cœur, c'est la compagnie des invocateurs. Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al hayati ad dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina. Plusieurs versets du Coran nous incitent justement à chercher la bonne compagnie, la compagnie de ces savants spirituels, parce qu'il y a savoir et savoir, comme j'ai dit, de ces gens qui ont illuminé leur cœur par l'invocation d'Allah abondante,
qui peuvent être ton modèle vivant, parce qu'on a besoin d'un modèle vivant, qui sont sur les traces de Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, notre bien-aimé. Et donc, si tu cherches ces gens-là, si tu es sincère, tu les trouveras. Et ils vont t'accompagner. Ishabu Sheikhin Arif al-Masalik, Yaqihi fi tariqihi al-Mahalik, Yudkiruhu Allah idha ra'ahu, wa yusiru l'abda ila moulahu. Et donc, quand tu es sincère, Allah tabaraka wa ta'ala te guide vers celui qui te guide vers lui. Te guide vers ce bon compagnon que le prophète Aslama a comparé au vendeur du musc. Si tu rentres chez lui, eh bien, tu es imprégné par les bons parfums et tu transmets ces bons parfums. Tu es un serviteur parfumé, un serviteur comme une abeille. Là où tu vas, tu es utile, tu es beau, tu donnes envie et tu es l'ambassadeur de la miséricorde envoyée aux univers. قولوا ما تسمعون الله لي ولكم أن يطهر قلوبنا وأن يزكي أنفسنا اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الله تبارك وتعالى purifie nos cœurs de ce virus de l'insouciance, ce virus fatal qui a rongé la Ummah, qui a rongé le corps de notre communauté, au point que aujourd'hui malheureusement beaucoup s'occupent de la forme, croient que l'adoration est une gymnastique sans esprit et oublie le fond et ne font plus attention à ce cœur jusqu'à ce que ce cœur se rouille et se meure petit à petit. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous évite cette mort et qu'il garde nos cœurs illuminés et vivants pour lui, en lui, dans son chemin et nous donne l'humilité de rester dans ce chemin. Alhamdulillahi rabbil alamin. On a eu juste un petit bug, c'est Tarek, mais... Alhamdulillah. Barakallahu fika Sidi, shukran bzaf. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation enrichissante, des paroles qui sortent du cœur et qui touchent les cœurs. Merci beaucoup. Alors, le docteur Tarek Abounour nous a cité différents versets qui parlent des fonctions du cœur. C'était le début de la présentation. Puis ensuite, il nous a présenté les spécificités du cœur, qu'elles soient positives comme négatives. Et puis également, il a insisté sur le fait que le cœur est le roi des membres. Il est également le réceptacle de la foi. Et puis, il est le lieu du regard divin. Et donc, il nous a invités à purifier ce cœur des maladies, des différentes maladies comme l'ostentation, la haine. Et puis, bien, parmi les remèdes, on a le dhikr, l'évocation d'Allah, et la compagnie des invocateurs, la compagnie de ces savants spirituels, héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup, Oustad. Merci beaucoup pour votre présence encore avec nous. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors également avec nous ce soir, Ifrah Bourar, donc, qui est étudiant à l'Institut Mohamed VI de formation des imams Murshidine et Murshida de Rabat. C'est Ifrah, salam alaikum wa rahmatullah, sois le bienvenu, ça nous fait plaisir de te revoir aujourd'hui. Alaikum salam wa rahmatullah, barakallahu fik, maghan, khair. Allah yahfadak. Donc Ifrah, il va nous lire un passage du Coran. Tu vas nous lire quel verset, Ifrah? Je vais lire Surat al-Nur, inshallah. Surat Nour, Allah Nour Akahoya. Mais écoute, on t'écoute. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة
يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من
ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيك سي إفراح. On a eu un, je pense qu'il y avait, tu as eu un petit souci de connexion, donc on a eu un petit problème au niveau de l'image. Mais en tout cas, qu'Allah te récompense. Merci beaucoup pour cette récitation. Une récitation pleine de dévotion. Et bien, après cette lecture, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et je vous donne rendez-vous demain, toujours à 21h50, sur la chaîne YouTube UMF TV, ainsi que sur la page Facebook UMF France. Qu'Allah nous accepte, qu'il illumine nos cœurs. Salam alaikum wa rahmatullahi.